Lorsqu'on a affaire à l'arcane 13 tout à l'heure, la lettre M, la scission ici, c'est un nombre premier. Belle indication. Or, le nombre premier, on ne peut pas, lui, le couper en deux. Tout à l'heure, il y a une remarque qui a été faite sur un nombre, c'est 15. C'est le diable. Pourtant, ça dit double, dédouble, mais le 15, vous ne pouvez pas le couper en deux en nombre premier. Oui. Donc, ces éléments-là sont issus d'une connaissance approfondie du monde du nombre. Ainsi, vous allez retrouver des choses très rigolotes si vous savez vous en servir. J'ai dit tout à l'heure 3 fois 26, qui est le nombre atomique du fer. Le fer, c'est bien, le dire, c'est pas suffisant. Hein. C'est pour ça, le fer, c'est votre boulot. Moi, je le dis, à vous de le faire. 3 fois 26, pourquoi c'est intéressant? Parce que le tétragramme, c'est-à-dire le nom divin en 4 lettres, vaut pour 26. Et la Trinité montre que le premier 26, c'est pour les choses d'en haut, le deuxième pour les choses du milieu, c'est-à-dire nous, et les choses d'en bas sont figurées par le troisième 26. C'est ce qu'on a vu dimanche avec cette église très massive dite de Saint-Sulpice, à savoir, il y a la partie. Alors moi je vous conseille, Vesna aussi va vous le conseiller, si vous avez l'occasion et vous voulez étudier une basilique, n'est pas une église, n'est pas une cathédrale, allez au Sacré-Cœur. D'abord, vous passerez pas loin de chez nous. Et ensuite, au Sacré-Cœur, l'intérêt, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La preuve, c'est que vous payez le tarif pour voir la crypte et aller tout au sommet. Donc, voilà. Attention, ça fait mal aux genoux. Hein. Vous ne faites pas le chemin de croix à genoux, c'est que les marches, 273 marches, je crois, ça fait quand même une trotte hein, pour les genoux qui ne sont pas habitués. Voilà. Et vous avez la plus belle vue de Paris, à l'évidence. Hein. À un détail près, vous ne voyez pas le Sacré-Cœur. Quel dommage. Mais bon, et c'est quand même une des cryptes. Alors l'intérêt, c'est que si vous connaissiez un petit peu la vie ésotérico-parisienne, vous sauriez que le sommet du Sacré-Cœur et le sommet de la Tour Eiffel sont à la même hauteur par rapport à la mer. Bien vu les curés. Alors l'intérêt aussi c'est de savoir que la Tour Eiffel a été payée par les impôts, c'est-à-dire une chose obligée, alors que le Sacré-Cœur c'était des dons volontaires, et ainsi de suite. Tour Eiffel était rouge à l'origine, le Sacré-Cœur blanc, enfin très rigolo. Il y en a un pourtant, s'appelle le Montmartre, c'est-à-dire Mont, Mars et Mercure. La somme est là. Voilà. Bon, revenons au tarot. Il nous reste, oh oui, largement de quoi faire la chose. Je vais donner des indications maintenant, parce que il y a le tarot de Marseille, et je le conseille parce que c'est lui qui tient lieu de référence. Je rappelle que tarot, c'est anagramme de astro, et Marseille, c'est Mars Helios, c'est-à-dire la planète de la vitalité et du rayonnement de la vitalité, le soleil. Ça marche. Je rappelle également qu'il y a une basilique à Marseille qui s'appelle... On se réveille... La Bonne Mère, c'est pas son nom. Notre-Dame de la Garde. Merci. Heureusement qu'il y en a qui se réveillent de temps en autre. Fort heureusement, tu es venu. Voilà. Donc, Notre-Dame de la Garde, ça n'est rien d'autre que la nature elle-même. Et vous notez sa présence, c'est au sommet d'un pic qui rentre dans la mer. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte égyptien, c'est-à-dire le mélange de l'eau et de la terre qui fait le marais quand ils sont bien mélangés. Et le meilleur mélange d'eau et de terre qui soit, qui est propice à la vie, ça s'appelle un mélange colloïdal. Voilà, ça c'est important. C'est pourquoi des oiseaux ont pensé que cette carte n'était pas assez bleue. Donc, hop là! C'est ça le problème. En réalité, la partie... vivante solaire est ici, au centre, on dira du soufre pour les alchimistes, et le mercure, ou eau, est ici. Vous voyez, non, là, on a fait une croix, enfin tout ça. On a modifié les caractéristiques, croyant faire plus précis, etc. Je dis très clairement, il n'y a rien d'aussi précis et complet que cette version-là. C'est d'ailleurs là la version BP Grimaud, AUD, ça veut dire ignorant, donc vous avez là une antithèse complète. Vous trouverez un Grimaud, et même plusieurs, dans Molière. C'est-à-dire, c'est la personne qui n'a aucune éducation, qui ne sait rien sur rien, etc. Autre chose, vous voyez ici, on modifie les choses, mais alors de manière terrible. Une tête de bélier, alors qu'ici nous avons un aigle.
On ne dit pas un aigle, on dit un oiseau de couleur. Bon, présentement, c'est important de voir que l'aigle regarde lui aussi le passé. Nous sommes d'accord. On voit qu'ici, il y a l'emblème de la Terre, notre planète, qui est en même temps l'emblème de l'antimoine. Tiens, c'est parti. Comment voulez-vous avoir un résultat? Ça, c'est de Paul Foster Case, américain, médecin, bien sympa, mais c'était à l'époque où tout le monde pensait être franc-maçon, rosicrucien, tout ça. Rose-Croix, c'est très différent de rosicrucien. Rose-Croix, c'est des vrais savants. Et rosicrucien, c'est de l'imitation, c'est du Canada Dry. Bon, simplement pour dire que, voyez, que ces gens-là ne se refusent rien comme bêtises. Alors, on voit au fond, par exemple, la montagne, qui est l'emblème général de la lettre A, le feu, mais qui désigne aussi la fixation alchimique. Si ça s'est fixé, c'est déjà fait. Donc, on voit qu'ici, on a inversé, comme le dit si bien notre jeune homme, ici au premier rang, la main droite tient ici, ça c'est la main gauche. Contresens total. C'est pourquoi je vous dis, n'achetez pas ces jeux-là, s'il vous plaît, vous feriez périr à force celui-ci. N'ayez pas peur, imposez ça à vos amis. Je vous donnerai des éléments qui vont les convaincre encore plus que cela le jour venu. Et voilà, toutes ces choses-là sont donc codées. Voilà. Regardez, tout à l'heure, il a indiqué quelque chose en disant « Il tient la coudée, enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec le Sagittaire ?» Oui. Là, ça a à voir avec quoi ? Ceinture, centaure, c'est-à-dire le zodiaque et le Sagittaire. Mais en plus, ça n'est pas seulement cela. Ça fait référence aux guerres. Exactement, centurie. Voilà, exactement. Toutes ces choses-là sont à vérifier. Là, normalement, c'est la toison d'or qui est suspendue ici, avec la lettre C pour la Lune, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Là, il y a environ 10 fois plus d'informations utiles que là. Et là, 10 fois plus d'informations inutiles et corrompues que de l'autre côté. Donc, je vous laisse faire 10 fois 10. Vous êtes 100 fois en dessous de la possibilité. C'est pourquoi je ne me sers que de cela. Toute personne qui a des résultats avec un autre jeu se débrouille. Avec sa conscience, avec son savoir et avec les résultats qu'elle obtient. Parce que moi, je compte simplement sur l'intuition des personnes qui doivent sentir là où est le vrai. S'il n'y a pas ce travail-là, ça ne sert à rien. Donc je ne m'adresse qu'à des personnes que je choisis. C'est ça l'intérêt de la chose. Je ne travaille qu'avec des gens qui ont déjà fait ce travail en elles-mêmes. On se dit, ite missa est, la messe est faite.